Bonjour tout le monde, ici le Caribou Kayana qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Summer in Mara, live de la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. On va aller au sud plutôt premièrement. Hey, désolé, petit, je suis actuellement très occupé à faire un truc. Faites pas un truc. Non. Thank you.
Ouf. Il m'a dit de faire des volcans noirs. Quand ce qu'il va en arriver, quand ce qu'il tremble, faut que je m'en vais au bateau. Une fontaine ici, comme à celle de mon île. De mon île, cet endroit doit être spécial. Je peux pas y aller. Qui peut appartenir à ces petits yeux avec votre tuer. Bonjour petit carabée, ton écharpe est vraiment belle. Allons-y en ici.
Allons voir ce qu'il y a plus loin. Je vois qu'il y a quelque chose là-bas. Ah, c'est l'île avec toutes les peaux. Noah avait raison, c'est orange. Une couleur particulière. On voit que tu es une grande voyageuse comme moi à l'époque. Parfois, j'aime bien simplement quitter Qualis et visiter quelques-unes de ces petites îles. Elles semblent faites rien que pour nous. Tu ne trouves pas? J'aime rester ici. En silence. Vraiment? Je te parle sur l'île plus tard. Toi, viens par ici. Sebastien vient de me regarder.
Gagner de l'argent. C'est bien, là, c'est correct. Ouais, ça lag le soir. Là. On dirait que tout le monde est connecté dans la ville, donc il y a mon internet. Le jour, ça va arrêter vers minuit, 11h30, minuit. J'ai vu tu jouais. Il semblerait que tu ne sois pas la seule première insulaire, j'en suis ravi. J'ai vu tu jouais à un jeu, Lost World. Le jeu que je suis en train de jouer, tu l'as acheté?
Les bouteilles, y'a aucune chance, je m'amuse à attraper ça. C'est un jeu de combien d'heures, tu penses? Ouais, je sais, mais... Je suis rendu à peu près une dizaine d'heures, 9, 8, 8, 9 heures. Une dizaine d'heures. Il reste pas mal à découvrir. Ouais, j'avoue. Elle disait toujours qu'enterrer des trucs dans le sable permet de garder au frais. Quand elle m'a dit que Mara était grande, je m'attendais pas à ça. Ouais, je sais, ça va être pire tantôt.
Comment était ton jeu, Lost World? Un jeu que t'as acheté. Ah ouais. D'une fille qui essaie de trouver sa voie. Non, t'as bien expliqué. C'est un jeu de toute façon, c'est pas évident. Surtout à l'écrit.
Là, ce n'est pas un mission habituel, ne sois pas en retard. Ça serait peut-être plus gentil, Samy, je ne veux pas qu'elle soit à nouveau en colère contre moi. Oh.
Je savais pas qu'il y avait des endroits comme ça à Mara. Mais m'inspire pas confiance. N'aie pas peur. Allons voir ce qu'il y a plus loin.
J'aimerais bien vivre sur une île pleine de fruits et de voisins, des voisins qui seraient animaux. Quel poussin, c'était...
C'est, je l'ai fait. Vraiment. Je crois pas. Mais si, je te jure. As-tu des preuves, des témoins, non? Tu m'as dit de toucher l'arbre. J'étais seul et que tu dis que tu as touché l'arbre. Comment puis-je savoir que c'est vrai? Parce que c'est l'est. Bon, d'accord. Voilà une tasse. Mais tu as dit que tu m'en donnerais deux. Ok, mais j'ai mangé l'autre. Oh, oui. Sur 10. Ah, c'était ça l'île. Jusqu'à le volcan noir. Okay. Bon, c'était tout pour le live du jeu Summer in Mara. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!